arrivons à la fin du débat public sur le Grand Paris. Dans les différents débats, différents échanges qui ont pu avoir lieu autour des réseaux de transport, autour de l'usage de ces réseaux, bien la question des gares, de l'usage des gares, de leur physionomie, de leur contribution à la restructuration de la métropole parisienne, évidemment, a émergé de façon extrêmement forte. Aujourd'hui, on affirme, sauf si les gens sont en total désaccord, que la gare est un espace de vie et de développement en Île-de-France. En tout état de cause, je crois que c'est ce à quoi tout le monde aspire. On s'est rendu compte que dans les infrastructures en Île-de-France, on pouvait effectivement s'appuyer sur tout ce qui existe en infrastructures routières et ferroviaires pour essayer de bâtir à travers ça un système métropolitain qui propose une réelle connexion. La mise en système de tous ces gares d'Île-de-France vont faire prendre de l'ampleur et de l'importance aussi à des lieux qui ont toujours été considérés comme de deuxième importance dans ce territoire. Être au cœur de l'espace public, celui des transports, celui des voies, celui des ouvrages, c'est être dans cet ensemble partagé par tous. Et aujourd'hui, les gares, comme les ponts, sont des lieux de représentation de la puissance publique. Ma proposition est la suivante. Plus vous rendez un service public, plus vous pouvez densifier. Vous faites du logement qui n'est pas du logement social, vous avez le droit d'aller à R+5. Vous mettez une poste, 2 étages de plus. Mais tout ça autour de la gare. C'est-à-dire que le service public pourrait être un mode d'urbanisation différent. La gare devient un symbole du développement et permet de devenir un modèle à d'autres types de développement. Avoir de bonnes communications ou la connectivité n'est pas de voyager à grande vitesse de A à B, mais d'avoir des possibilités de rencontres. Les gares sont aussi une part de notre système urbain quotidien. Tout ce qui passe dans nos activités quotidiennes peut être là. Ce sont des crèches, la bibliothèque, la poste aussi, bien sûr, mais aussi de réunir, rencontrer, faire les petites courses, etc. Paris est confronté, Paris puis la SNCF, mais c'est aussi tous les usagers, à une perspective de saturation à des degrés différents de ces trois grands systèmes de gare TGV. Ça montre que sans enlever leur rôle aux gares parisiennes, il y a clairement une place aujourd'hui pour réfléchir à des gares TGV, je ne sais pas, métropolitaines, franciliennes, je veux dire, les qualificatifs importent peu. Il y a un certain nombre de lieux qui, de par leur connectivité actuelle et leur capacité, entre guillemets, j'allais dire foncière, se prêtent certainement beaucoup plus facilement, ou en tous les cas dans des calendriers plus simples, à refaire ça et à refaire en prenant en compte en même temps les fonctions, voilà, par exemple la Juvisy, du C et du D, qui sont quand même deux RER majeurs de l'Île-de-France, en tous les cas tels qu'ils sont tracés à l'heure actuelle. La question qui se pose pour l'élu lambda comme moi, c'est comment on fait pour que le transport arrive au bon moment et que l'infrastructure qui est la gare soit dimensionnée par rapport à la population qu'on accueille. Parce qu'on nous dit construisez, notamment dans la première couronne. Mais si on construit et que les gens ne peuvent pas se déplacer en transport en commun, alors là, dans la première couronne, c'est pas possible. Donc, on a un petit problème. Se pose alors le problème de, bien évidemment, qui paye. Je crois qu'on a besoin d'avoir beaucoup d'idées en termes d'architecture, mais qu'on a aussi besoin d'avoir un petit peu d'ingénierie financière quand même pour savoir comment on se sort de ça, surtout quand on sait qu'en Île-de-France, on a quand même 400 gares et que donc c'est un élément essentiel au fonctionnement d'un système de transport maillé avec du capillaire comme on en parlait tout à l'heure. On essaye quand même aussi en région parisienne et on a cet objectif au niveau de Gares et Connexions de faire vivre nos gares. Alors que ce soit par des commerces, que ce soit par des services publics. Mais je pense qu'il faut aussi prendre donc cette opportunité qui est l'interconnexion entre les différents modes de transport comme une donnée d'entrée dans le choix de ces interconnexions. Sur la ligne D et l'interconnexion de la ligne D avec le futur métro automatique du Grand Paris, on se pose des questions de savoir s'il faut faire cette interconnexion à Vert-de-Maison ou à Maison-Alfort. Et je pense qu'il faut comme donnée d'entrée pour répondre à cette question, se demander où est-ce qu'on pourra faire une vraie gare
un vrai lieu de vie, un vrai lieu ouvert avec une accessibilité parfaite entre ces deux modes de transport que sont la ligne D et le Grand Paris, le métro du Grand Paris, mais aussi la marche à pied, mais aussi les bus pour avoir une vraie gare routière juste à côté. Et il faut prendre en compte ça. Il faut donc se mettre à un endroit où on a de la place. Le Grand Paris, ça va amener encore plus de monde sur nos lignes. On va avoir des lignes encore plus saturées. Et on a besoin au moins de profiter de ces occasions pour mettre ces gares d'interconnexion dans les endroits où on peut faire de vraies gares, encore une fois, ouvertes, où on saura gérer cette saturation et profiter pour désaturer nos gares actuelles. J'ai ce sentiment, pendant ces deux heures, eu un certain équilibre entre les mains dans le cambouis et l'esprit dans les étoiles, hein, enfin, entre le temps de l'urgence et le temps du projet de long terme. Alors là, je vous proposerai quelque chose qui est chic, alors, pas comme les logements nécessairement du Bourget qui étaient évoqués dans le film, c'est de passer du sigle à l'acronyme, que les gares ne soient plus seulement le BV, donc le bâtiment voyageur, mais alors je vous propose le BIF, moi, donc ça fait un acronyme, ça fait le bâtiment intermodal de fluidité. C'est pas mal pour l'Île-de-France. Hein.